Mais c'est ça qu'on fait en qui va couillon. Mais ça va gâter. Oui, mais tu vois là, vous pouvez mettre ça avant. Mais que mettre à la banque à faire, ça va pas avant. Alors nous sommes... Peut-être qu'il a le doigt magique. Ouais, nous sommes, le doigt magique. Nous sommes sur Kesha TV, nous sommes en présence de vrais Antillais. Gérard. Gérard, êtes-vous qui êtes la vraie Antillais? Eh, j'ai pas moins fâché. Vous êtes un vrai Antillais. Jamais, c'est sur la Alors. J'étais tout. Bienvenue sur... Bienvenue sur Kesha.com. Voilà. Monsieur Gérard, vous qui êtes un vrai Antillais, s'il vous plaît, parlez-nous des Antilles, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, parlez-nous des Antilles. Jamais. Annie. Bon, tant pis. Je n'ai pas réussi à avoir un spécimen de vrai Antillais, mais je pense que je peux en trouver un autre. Bonjour, êtes-vous un vrai Antillais? Oui. Quelle est la caractéristique d'un vrai Antillais? Êtes-vous de Martinique ou de Guadeloupe? Martinique. Quelle est la caractéristique d'un vrai Martiniquais? Un vrai Martiniquais? Oui. C'est moi un café gratuit. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Bravo. Alors? Tu portais le PSG. Ouais, à Martinique et PSG. Ouais. Voilà, Vicindy. Que pensez-vous du CPE? CPE? Du lâcher. Bon, allez, j'y vais, moi. Bon, allez, je vais. Bonjour, vous êtes un chanteur de dancehall, on m'a dit. Ouais. 9-7-2-7. Vous représentez la Seine-et-Marne, c'est ça? Ouais. Méni. Méni. Alors, vous faites un nouvel album? Pas. On m'a dit que tu fais un nouvel album. Ouais. Alors, ça se passe? Ça va tranquille, hein. Combien de titres? On m'a dit qu'il y en avait 27. Non, 27, non. 77. 77, c'est pas un peu beaucoup pour un album? Ouais, mais en fait, compte, c'est quoi? Il manque les plus grosses prods, celles de Kesha. Oh, mais ça, c'est pas un problème, ça, on va les faire. Ouais, ouais. Bon, messieurs, à plus tard. Est-ce qu'il y a un duo avec Nicole? Non. Pourquoi? Parce que Nicole, c'est la spécialité sur son album. Hein? Quoi? Ouais, Nicole, c'est sur son album. Vu que j'avance, ok, ok. Nicole, c'est sur son album, tu vois. Ah, d'accord. Son album, tout le monde a sorti leur album, donc. Est-ce qu'il y a un featuring avec Big Tom? Non. Pourquoi? Parce que Big Tom, il travaille sur son album. Aussi? C'est bizarre, tout le monde travaille sur son album. T'as vu, tout le monde sort des albums, t'as vu, même moi. Est-ce qu'il y a un featuring avec Mike Mathieu? Lui, il est en train de chercher des fonds pour faire son album. Il paraît que vous aimez beaucoup. Il paraît que vous aimez beaucoup les sites porno avec des femmes brésiliennes. C'est des voitures. Ah, c'est des voitures, ouais, brésiliennes. Des voitures. D'accord. Vous qui êtes l'ingénieur de Méni, est-ce que c'est facile de travailler avec Méni? C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Mais tout. Tout. Il est invivable. Il se tient pas. C'est... Franchement, non, c'est bordel. Il paraît qu'il oublie de se laver avant les séances. Mais carrément. Franchement, c'est un scandale. On n'en peut plus l'odeur dans le studio. Oui, parfois je fais des séances après vous et c'est vrai que ça sent l'homme. Ça sent le homeboy, je dirais même. Salut. Vous êtes le manager de Méni. Ah, c'est bien. Le nouveau manager de Méni. Est-ce que vous trouvez qu'il est beau, ce garçon, sur le poster? En vrai, il n'est pas comme ça. Hein. Donc, oui, vous êtes le manager de Méni. Est-ce qu'il y aura un featuring avec les Betty Sweetie?